bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ma petite mamie. Ça fait longtemps hein, qu'on t'a pas vu. Ça va? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des colis surprises. On va tenter une expérience. On va aller dans un magasin qui revend des colis qui sont perdus ou qui n'ont pas été réclamés. Depuis le 1er janvier 2022, la Poste ne détruit plus ses colis et on peut les acheter au poids. Alors on s'est dit, est-ce qu'on va trouver notre bonheur? Nous, on est joueuses, hein, mamie, on adore jouer. Donc, est-ce que ça va être le jackpot ou est-ce qu'on va se faire avoir? Bon, bah, on tente le pari. On espère qu'on va sortir victorieuse de cette expérience. C'est parti, vous venez avec nous. Down the street with your red lips and funky beat. You better... Alors, ça y est, on arrive. C'est juste là. Alors, t'es prête à avoir le gros lot? Oui. Allez, on y va. Oh mamie, elle va déjà voir les colis. Déjà. Bah tu peux tout toucher mais t'as pas le droit d'ouvrir. Ah bien sûr. Ça c'est des chaussures. Ouais, c'est des chaussures. Oui. Bon allez, vas-y. Choisis des colis et puis on y va. On voit trop ce qu'il y a dans les paquets. Quand on touche, il y a quand même pas mal de vêtements et on pense des chaussures, des balles. Donc là, j'ai pris pas mal de paquets, mais je pense qu'on va en choisir un ou deux paquets. Un celui-là, allez. Allez, celui-là, d'accord. Et puis celui-là, allez, c'est parti. Il y en a assez? Oui, très bien. On va le mettre à 1,30. Ouais. Fois 16, vous êtes sur 20 euros. Donc ça y est, on vous retrouve, on est dans la voiture et on va procéder à l'unboxing. Combien on a acheté de colis, mamie? 3. Voilà, 3 colis. Alors, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. C'est la surprise. Si on s'est fait avoir ou pas. Au total, j'en ai eu pour 20 euros. Ça faisait 1 kg 3. Donc, c'est parti. Tiens, je te donne le petit. Moi, j'ouvre. Allez, on va ouvrir le grand. Celui-là, était d'accord toutes les deux. Hein. D'accord. On se disait qu'il avait l'air sympa. Après, je vous avoue que j'étais quand même déçue. Je m'attendais à voir plus de boîtes, de choses en dur. Je rêvais d'un drone. Il y avait beaucoup de chaussures. Mais les chaussures, c'est dur. Parce qu'il faut tomber. Oh là là, ça a l'air horrible. Qu'est-ce que c'est? C'est pas, ça a l'air pas très joli. Oh là 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 là, un tapis? Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est une nappe. Oh, elle est horrible. Ah, elle est belle. Ah bon, t'aimes bien? Ah oui, c'est une nappe. Oh là là, une nappe ronde. C'est bien. Ah. Elle est originale. Elle est jolie. Hein. Ah bah elle est pour toi alors. Hein, parce que non, moi j'ai pas de table ronde. Oh là là, c'est pas très beau ça. Ensuite, voilà. Ensuite, le deuxième paquet. Pour l'instant, je trouve pas ça très heureux. Mamie, elle était contente. Vas-y, je te l'offre. Tu l'offriras à une copine sinon. Ben oui. T'as bien une copine qui a une table ronde, non? Allez, j'ouvre celui-là. Allez, mamie, tire, parce qu'elle est plus chanceuse que moi au jeu. Donc, vas-y. J'arrive. Le gros lot. Le gros lot. Le gros lot. Si. Oh. Tiens, mamie, tire. Oula, qu'est-ce que c'est que cette couleur? Ok, des couleurs un peu étranges. Oh là là. C'est encore une nappe. Oh non, c'est pas une nappe, c'est un petit haut de cette couleur-là. Qu'est-ce que c'est? Pète, hein. Mais on voit. Il y a beaucoup de nappes. Non, c'est pas une nappe. Ah. Oh là là. Une petite veste orange comme ça. Ah, c'est une veste. Ma chère. Fais voir. Moi, j'aime la mettre. J'ai pas dit que ce serait trop mon style. Mais... Elle est pas vilaine. Ah, bah c'est pour toi alors. Non, moi je. Oh là là. Tes couleurs, j'aime pas. Bah moi normalement c'est parce que je mets après. Toi tu aimes. Oui mais pour toi c'est bien ces couleurs. Oh là là. non. Voilà. Tu le vendras. Non, je pense que je l'offrirai. Voilà. Allez, le troisième. Pour l'instant c'est vraiment. On n'a pas gagné notre journée. Hein. Non.
Après, c'est qui tout double, hein. Oh là là. Je crois que là... Une dame, elle avait une robe hyper jolie tout à l'heure. Mais là, c'est pas, on n'est pas du tout sur la robe hyper belle. Hein. Allez, le dernier, le troisième. Allez, lui, il a l'air plus facile. Il a l'air tout doux. Tiens, mamie, tiens, c'est que des vêtements. Ouais. Il est bien en le sens. Ah! Là, c'est un peu mes couleurs. Je vois ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? M. M, je mets du M. Mamie aussi, tu mets du... Oh, c'est doux, ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Oh, c'est un pyjama. Ça va, ça. Oh, ah, c'est oui, doux. C'est... Ça, c'est doux. Avec ben, un oui, petit un t-shirt. Pyjama. Ouais. Ah ben, voilà, t'es bien. Voilà, et le pantalon... Tu peux le mettre. Ça. Ok, ça, ça pour va. La, voilà. Pour voilà. La maison, pour les, quand tu restes à la maison. Donc, on a eu une nappe, une veste, un pyjama pour 20 euros, sachant que, bon, pyjama, bon. Ok. Le reste, ce sera pour mamie. Voilà. cette expérience, elle était rigolote. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui n'en valent pas la peine. Vaut mieux commander les choses qu'on aime. Je pense pas que d'avoir une télé, un ordi et que tout, ça arrive tous les jours. Je pense qu'il y en a peut-être de temps en temps. Un peu comme au loto, hein, ou quand on gratte et qu'on a le bon numéro et qu'on a plein d'argent. Mais là, non. Là, je crois qu'on s'est fait un peu arnaquer. Donc, je pense pas que j'y retournerai de sitôt. Et toi? Moi non plus. Et bien, sur ce, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.